Hey, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Griffon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator, les nouveaux fermiers, toujours en compagnie de Lucas55. Hey, salut tout le monde. Donc, on est parti, aujourd'hui on va moissonner le champ numéro 1, un grand champ de blé, assez grand. Donc moi je vais partir, je vais prendre le John Deere avec la Benjoskin. Ouais, attends, je vais juste enlever qui est les fenêtres d'aide. Que je l'aimais parce que je connais pas encore les touches entièrement hein. Je vous rappelle, le jeu est plus gratuit au moment où la vidéo upload, donc j'espère que vous en avez profité lorsqu'il était gratos. Et en verdict, normalement le jeu est encore gratuit jusque jusque demain, non, jusque jeudi. Quand vous l'avez, normalement, quand vous l'avez acheté, il ne disparaîtra jamais. Je dis bien normalement. Bah, acheter. T'as été faire tes vérifs? Ouais, j'ai été faire des vérifs. J'espère qu'Epic Game va pas faire les cons. Bah, si Epic Game ne lâche pas, c'est bon. Je roule qu'à 20, attends, je vais te laisser passer parce que sinon. C'est pas bon. Sans toi, je vais pas aller loin. Oui, mais c'est juste bon. Ça s'est passé parce que sinon tu roules à 2 à l'heure, ça sert à rien. Tu lag toi aussi? Ouais, j'ai des petits freeze. Ouais. Un truc pour paramètres. Je suis trafic routier, non, ça l'est sûr, ça va. Merci les mods. Destruction des cultures. Oui. Mec, voilà pas, pourquoi j'avais je pas pas enlevé compris. La fanaison, donc je pense que ton champ de blé est fané. Aïe. Je suis pas sûr, mais j'espère que le champ de maïs n'est pas fané. Oh, ah bah c'est, je l'ai acheté, non c'est bon. Mais ouais, mais j'avais pas désactivé la fanaison. Ah. Bah attends, je vais te dire ça plus. Non, il est toujours pareil qu'avant. Type en cours de croissance. Bon, on va accélérer à 120 et croissance des cultures rapide. Donc, hein, c'est une technique. Ah oui, vache. Il a vraiment pas poussé. Ouais, genre. Sinon, tu vois ce qui est en face de nous là-bas, là. Le champ là-bas. Non plus. Mec, regarde, on dirait trop dans The Enter avec la tour là-bas. Où ça? En face. Ah ouais, mais j'avais pas vu. Tu vois le champ qui est en face de nous là-bas là. Attends, je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire un agrandissement. Eh, en vrai, il y a tellement moyen de faire un agrandissement avec le 8. Attends, hop. Avec le 8, c'est-à-dire. Genre, tu longes la forêt. Ah oui, tu veux longes les... la oui. forêt et tu agrandis un peu pour que ça fasse genre un champ. Bah, même par rapport. Tu peux même le agrandir avec la charrue. Hein, je sais que tu peux l'agrandir avec la charrue. Oh, en plus c'est un champ. Non mais, attends. C'est un champ de maïs. Fou, lequel? En 8. Qui a parlé de maïs? Mec, ça te dit, on achète le champ 8 et on revend le champ 18 parce que le champ 18 il est tellement grand par contre pour du maïs. Et on fait de l'ensilage? Ouais, dans le 8, genre dans le prochain épisode. Ok. Vas-y, le 8. Alors, je vends le 18. Le 18 qui est d'ailleurs là-bas. Espace. Oui. Normalement, on a gagné un peu d'argent. En plus, il est moins cher. T'as vu? Non, mais je te l'ai dit. Terrain vendu. En plus, il est. Attends, je crois même qu'il est un peu plus grand celui-là. Attends, laisse-moi monter sur ta. Arrête de bouger. Oh merde, mec, attends. On va faire. Oh merde! Croissance des cultures. Non, what? Qu'est-ce qui se passe? Oh, faut qu'on passe un coup d'appareil à traiter dessus. Là, on peut encore faire une cercleuse. Je mets croissance des cultures très lente et temps réel. Donc là, on peut faire encore un coup de cercleuse. Achète une cercleuse. Je vais la chercher. Cercleuse. Ouais, donc là on n'était pas prêt. Cercleuse. On avait totalement oublié. Cercleuse ou un C1 ou un herbicide? Cercleuse. En 15 mètres. Ça devrait avancer. On l'achète, elle est à 45 000. Putain. Après, ça va. Achète-la. C'est un investissement à long terme si on le fait plusieurs fois le champ.
tout ce qu'on a gagné dans la comment par rapport au champ, ça va partir. Au champ, bah ça c'est parti dans la sarcleuse. Je vous mets un accéléré de moi qui cercle le champ. Allez, à tout de suite. Ah. Donc après l'accéléré que j'ai tout cerclé, on a attendu que ça pousse. Et là, comme vous pouvez le voir, fertilisé à 50% à mauvaise herbe 0, donc le rendement va pas être dégueulasse. Pour cet épisode, c'est moi qui vais aller faire la petite moissonneuse, pendant que Lucas prendra la benne et ira vider, et qu'il fera les bottes. T'es prêt? Ça me va. Allez, on vous met tous en accéléré. Attends, j'ai une technique. Vas-y. Donc, je vais déposer la benne sur le bord du champ. Toi, tu vas venir vider tant que moi, je presse, ça te va? Ok. C'est parti. Vas-y, c'est parti. On va mettre ça tout ça en accéléré. Let's go. C'est tout, j'espère que vous êtes bien, c'est Griffon. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur Farming Simulator 19. Non, je déconne, c'est juste l'outro. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça ferait super plaisir. Donc là on vient de faire une moisson entière de blé, hein, c'est ça? Oui. Et donc on va essayer de rentabiliser l'achat du deuxième du CAS Puma 185. Là la Benjoskin, elle est pleine à combien? 22 500 litres, donc 72%. Donc vas-y, envoie
la pâtée. On va voir combien voilà, on a. C'est parti. Super animation. En vrai, la Josquin est tellement bien faite. Alors là, ça nous a pris une demi-heure. Hein. Combien? T'as vu ou pas? Ça nous a donné combien? Bah, j'attends. Je vais aller voir dans la fiche. C'est genre dans le truc. Vas-y. Probablement aujourd'hui, j'ai rien eu. Oui. C'était non. Où c'était... Tu l'as vendu où? Là, on est où? On est au restaurant. Non. On est au silo ferroviaire. Viens avec ton machin. Avec le puma. Merde, j'avais pas vu. Je suis complètement bête. Il est plus bas. Reviens par là et reprends. Donc on vous retrouve dès qu'on a... qu'on est en train de vider. Allez, let's go. Les feuilles en direct. Donc on est arrivé au restaurant. Lucas nous a laissé pour... parce que je tourne la fin de l'épisode bien un jour après. Donc on va voir combien ce blé nous rapporte. Donc c'est 22... Oh là là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Combien ce blé va-t-il nous rapporter? 15 000. C'est énorme. Sur ce, je vous laisse pour la prochaine épisode. On va réessayer de continuer à farm. Donc allez, bye.